Thrace et Crasse au pays de Poutine, les rois du Matrape, le son qui tâche, avancent leurs pions. Attention, flot très salissant. Купе, братан, проверь, заперта ли дверь, замазана ли щель в стене, проверь, зашторены ли окна, отключен ли телефон. Le Matrape tire son nom de l'expression Yob Dvoyumat, nique ta mère en russe. Argot obscène parlait par tous en cachette, il était interdit de l'utiliser en public sous l'ère communiste. Les déportés du goulag employaient son double sens pour se moquer du pouvoir. Dans la nouvelle Russie de Poutine, comme ici à Moscou, il reprend du poil de la bête. Тот, что между ног, запущенный и грязной, тебя не поедет. Блядь, один я тебе сказал, блядь, там. Никогда не пролил, блядь, тебе. Я тебе, блядь, не сделал, блядь, нахуй, ёпта, блядь. А ты хули, блядь, дела все, блядь, не проводила. А ты чего, блядь, дела не проводила, блядь, ах, нахуй, блядь, иди нахуй, отсюда, блядь, нахуй. Ce grossier personnage n'est pas n'importe qui. Peintre, performeur et directeur artistique du magazine Elle Russe, Parom a semé la mauvaise graine du mat dans l'art contemporain. Diplômé des arts déco de Moscou, Sergueï Pakhomov, alias Parom, cultive deux axes dans son travail. L'absurdité et l'idiotie dont le mat est selon lui le digne représentant. En peinture ou en musique, il est devenu le virtuose du crado. La première fois que j'ai entendu du mat, c'était dans la bouche de ma mère. Elle m'avait attendu à la sortie des classes pendant une heure dans le froid, en plein hiver. Et quand je suis arrivé, elle m'a engueulé. Va te faire foutre. Ce langage vulgaire était officiellement interdit à l'époque de l'Union soviétique. Et c'était puni, d'après la loi. Ça le rendait presque sacré. C'était aussi une façon de protester. Pas à un sacrilège près, Parom joue ce soir dans une église en travaux du centre de Moscou. Une performance 100% pure mat devant le gratin arty russe. Ça fait partie de notre pseudo-démocratie. C'est un sentiment de fausse liberté. Montrer son cul, chier en public, et utiliser des gros mots, ça ne dérange probablement pas beaucoup ceux qui sont en haut, au gouvernement. La Russie n'est plus totalitaire, elle est autoritaire. Mais même cette définition n'est pas exacte. Ce pays est déstructuré, cassé en mille morceaux à tous les niveaux. Notre langage vulgaire, qu'on appelle mat, fait partie de la vie de n'importe qui. Quelqu'un qui a tout perdu ou quelqu'un qui est riche et qui a tout, tout le monde parle mat. C'est seulement au niveau des injures qu'on a une certaine égalité. Pour niquer sa mère. Voilà. Tout à l'heure dans Trax, on se réchauffe.